Ce soir pour vous, je suis allé dans le Zénith, j'ai pénétré à travers le grillage, j'ai pénétré à travers les murs pour vous rapporter des images exclusives. Allez, venez, suivez-moi, on va pénétrer dans l'enceinte du Zénith. Et voilà, cher public, on est en train d'accéder dans les coulisses du Zénith de Amiens pour l'émission d'être machine. Allez, venez, suivez-moi. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Laetitia, alias Larousseau. Alas aussi. Alas, oui, d'Alas. Donc, Laetitia, nous sommes heureux de te rencontrer, de te revoir une nouvelle fois. De nouveau, bien sûr, voilà. On s'est vu à Lille, il me semble. Oui, tout à fait, à Lille en début d'année. Exact. D'accord, donc tu es l'interprète de Tu m'oublieras. C'est bien I moi. I will survive. C'est moi. Ensuite, tu as fait une tournée d'été avec Johnny Hallyday, en première partie. C'est ça. Tu es parti aux États-Unis, Canada, puis tu es revenu en France avec un nouvel album, My Box. Tu veux bien expliquer. J'ai entendu dire que tu préparais encore un nouvel album. Parle-moi un peu de ce nouvel album. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir trop t'en dire sur cet album parce que c'est un peu une surprise. J'ai totalement changé de style, c'est la seule chose que je peux te dire. Mais j'ai vraiment envie de créer la surprise, quoi. Donc j'en dis pas plus que. Ça sortira l'année prochaine, quand j'aurai terminé la tournée, on sortira l'album après, donc janvier, février, tranquillement, 2012. D'accord, voilà. Donc rendez-vous en 2012 pour le nouvel album de Laetitia, alias Larousseau. Ouais. Ça te fait plaisir d'être sur scène ici pour le Dance Machine. Ah oui, clairement. Vu que j'ai pu remarquer que tous tes fans chantaient avec toi. Ah non, mais c'est, tu m'oublieras, il y a un truc assez exceptionnel. Hein, les gens les connaissent sur le bout des doigts. Ils ont un truc magique avec cette chanson. Donc moi, je suis à chaque fois, je suis ravie. C'est du bonheur, quoi. C'est du miel, du sucre, des cadeaux, du chocolat. Tout ça, j'adore. Voilà. Et est-ce que tu rencontres aussi tes fans? Ça te permet de voir tes fans? Non, je ne parle à personne, je suis assez odieuse. Ça, c'est ce qu'on a pu voir dans la presse. Hein, voilà, je ne parle pas aux gens, je m'en fiche. Bien sûr, je vois tout le monde, c'est cool. Bah, là, je veux, dès que. J'ai pas de garde du cœur, j'ai personne, je parle à tout le monde, j'aime tout le monde. Ah, c'est cool, quoi le grand blague qu'on a vu à l'entrée? C'est Charlie! Ah! C'est Charlie!
Donc, Laetitia, merci. Avec plaisir. Ce que je vais faire maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, action-vérité. Merde. Alors, qu'est-ce que tu choisis en premier? Vérité, hein. Attends. Ah bah, t'aurais dû peut-être prendre action. Merde. Alors, vérité, j'ai vu sur internet que tu étais la cousine d'Arthur. Ah, oh, ça va, ça. Est-ce que le nom de l'album My Box, c'est un hommage à ces petites boîtes? Oh, pas mal, les moi. Alors, Arthur, c'est vraiment mon cousin, mais par contre, on est cousins éloignés. On se fréquente pas du tout, mais My Box n'a rien à voir à lui. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses en pensant à Arthur, hein, comme non, il ça... ne fait pas les choses en pensant à moi d'ailleurs. Ça t'a pas aidé alors? Non, non, pas dans du dans tout. Du My Box, parce que c'était ma petite boîte à musique à moi, quoi. Donc, mais Arthur, non, non, il m'a pas aidé. Non, non, pas du tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, pour la carrière qu'il a fait et qu'il continue de mener. Mais non, j'ai tout fait toute seule comme une grande. Voilà. Tu l'as déjà rencontré sur un plateau? Oui, bah, quand même. Ah, oui, je sais pas, tu t'es éloigné donc. Non, mais on se connaît, c'est-à-dire qu'on est. Mais je peux pas te dire que c'est mon pote, que c'est. Enfin, tu vois, il m'a jamais ouvert de porte, il m'a jamais aidé. Et je lui en veux pas du tout, au contraire. Parce que comme ça, déjà juste d'entendre à chaque fois que je suis la cousine d'Arthur, donc on pense que j'ai réussi parce que je suis la cousine d'Arthur. Déjà, ça me gonfle au plus haut point parce que c'est totalement faux. Ouais, elle s'est faite aider par Coé. Voilà, c'est ça. Non, voilà, même de Chavannes, tiens, allez hop. On y va. Non, mais Coé Arthur, c'est... Ah, Coé et Arthur, non, ils sont ouais, plus maintenant, mais avant. Non, ouais, ça va. À l'époque, tout le monde s'aime maintenant. Regarde, Indra et moi, on s'adore. On s'adore. D'accord. Alors maintenant, on fait l'action, alors, vu qu'on a fait la vérité. À l'action. Alors l'action, je vais te demander de chanter Tu m'oublieras, mais d'une façon bien spéciale. Ah. Avec des chamallows. Avec des chamallows? Ouais. Mais c'est pas possible, en fait. Mais si, c'est possible, mais c'est non. Rigolo. Vous avez amené des chamallows, je suppose. Bah oui. Indra va chanter Tu m'oublieras avec des chamallows. Je file mon action, Indra. Vas-y. Moi, je mange du chamallow et elle chante. Ça, en fait. C'est vrai? Je déteste les chamallows. Je suis pas une note normale. J'ai plein de gens qui ont des chamallows. Vous êtes après, alors. Non, mais je te jure, même le goût, ça me... Mais moi, je mange et toi, tu chantes. Voilà. Allez, vas-y, 3, 4, t'es prête? Tu manges? Mais bien comme ça. 1, 2, 3. Tu oublieras. C'est bon, hein? Voilà. C'est bon. Voilà, c'est une drague. Bon, bah, Laetitia, merci. Je te change les Misery la prochaine fois. Ouais. Ou Temptation. Ou Temptation, ouais. Donc je vais te laisser dire un petit mot à tes fans qui nous regardent ce soir. Eh ben merci, et amusez-vous bien ce soir si vous êtes là avec nous à Amiens, ou sinon sur les autres dates. On vous attend avec Indra et sa bouche en chamallow. On merci beaucoup. Non, 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 c'est pas ça, malheureux.